Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une sortie qu'on a fait avec les copains du TOC, du Tesla Owners Club, au volant de la Model S que nous a gentiment prêté le Tesla Center de Toulouse pour faire un essai. L'essai est très très court car je m'y suis vraiment très mal pris. Je suis parti avec ma caméra à moitié vide et sans prendre de batterie de rechange. Mais je trouvais intéressant de vous montrer que ça peut donner une petite sortie pour tester un véhicule entre copains du TOC, surtout pour motiver ceux qui hésiteraient encore à venir nous rejoindre si vous êtes de la région Occitanie dans le club Tesla Owners Club Occitanie pour venir passer des bons moments avec nous. Ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion de reparler très très prochainement un petit peu plus sérieusement de cette Model S. En effet, nous avons accompagné David de la chaîne Tesla Connect qui est chauffeur de taxi prendre en livraison de cette Model S. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous nous sommes amusés avec la Tesla que vous allez voir dans cette vidéo. Et donc je vous proposerai de retrouver dès la semaine prochaine la livraison du véhicule de David. Oui. Bon chérie, tu t'y vois? L'écran qui pivote, hein. Elle est beaucoup trop grosse, hein. mais elle est... Tu aimes pas quand c'est trop gros toi? Bah, faut que ça passe. Ah oui. À un moment donné, faut être honnête, faut que ça passe. Oh, alors t'astier. Allez, moi je me barre de là. Je me barre de là, poussez-vous. Je veux pas assister à cette conversation. Et on enchaînera plus tard avec une autre vidéo où on lui offrira quelques cadeaux à l'aide de notre sponsor Green Drive. Mais chut, ça, c'est pour dans quelques vidéos. Maintenant, je vous propose de découvrir notre sortie, enfin ce que j'ai pu en filmer en tout cas. Et j'espère que vous allez apprécier notamment l'ambiance qu'il peut y avoir au sein du club. Et surtout, encore une fois, si vous voulez nous rejoindre et que vous êtes de la région Occitanie, n'hésitez pas, on passera de bons moments. Et vous inquiétez pas, on passe pas nos journées à parler de Tesla. On est là pour s'amuser et passer des bons moments entre copains. Allez, je vous laisse découvrir la vidéo. Bon alors, du coup, test de la Model S. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Fermez la portière. Les ceintures. Il faut les trouver. Attends, on est en cours. Alors, est-ce qu'il y a de la place dans la Model S pour 5 personnes? Écoute, a priori, ça a l'air. Hein, pas des enfants. Et pas des enfants. Ah, ok. Des grands enfants. Essuie-glace auto ou pas? Attends. Grands enfants. Non, non, mais c'est pas pour toucher les fesses. Ah oui, c'est bon. Ah, je découvre. C'est pour régler la vitesse des. C'est bon. Attends. Je me suis fait. C'est un auto. Non, c'est là-bas, c'est là-bas. Bah ça, par contre. C'est bon. Faut s'habituer. Ça y est. Ouais, bah elle te dit non. Ouais, tu c'est là, tu peux avancer. Ouais. Oh, oui. Oh con, mais ça. Le centre ouais. Là. Ah ouais. Ah ça, c'est faut t'habituer, je pense. Alors, on va faire un petit tour avec Michael Knight. Bah, elle parle pas celle-là, par contre. Hein. Il est pas mal. C'est le SpaceX. C'est un radar. Si, il y a un radar, ça ou pas? Non, non, il n'y a pas de radar. Ah, parce que je suis pas assez à côté, ça sonne pas, c'est moi, je suis loin. Non, il n'y a pas de radar. Si, si, regarde. Te laisse pas, elle m'affiche les trucs. Oui, oui, mais elle fait pas bip bip. Tu vas faire comme Steven quand il a récupéré la sienne et qu'il a failli prendre le pare-choc. On va tester les clignots. Ah oui, du coup, sur le volant directement. Ça, c'est. Pareil, hein. C'est spécial pour braquer, c'est spécial. C'est des habitudes de conduite. Ouais, c'est ça. Oh, enculé. Ah ouais, ça patine un peu. Ça pousse. Ça pousse. Ça pousse sympa, ça patine. Ouais. J'ai lâché, ça patine un peu. Ça patine un peu derrière, ouais. Hein, quand même. On le sent. Bon, on est sur route mouillée aussi, là-haut. Après, la voiture, elle est immense. Hein. Ah ouais. Pas habitué à conduire un bus. Hein. Bon, là, il y a deux petits joueurs qui s'en vont. Avec des petites Model 3. C'est les Tesla de pauvre, ça attend. Ouais, on est passé à la Model S maintenant. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. On n'a jamais dit le contraire. Hein. Ouais, c'est spécial le volant. C'est pour mettre les mains en fait. Et oui, pour braquer. Oh, c'est un volant qui est fait pour l'autoroute. Ouais, ouais. C'est fait pour aller tout droit en fait. C'est ça. Même temps, si tu veux tourner, il y a des grandes courbes. Après, c'est pas un modèle de ville. Hein, non. Ça. Il y a des belles rouges dedans. J'aime bien les nouveaux rouges. Là, qui... Oui, ils sont beaux, je trouve beaux. Ils sont beaux. Ouais, c'est franchement. Et là, comment on fait pour le clignot là? Ah, mais là, t'es mort quand tu tournes, il faut le mettre avant. Ouais, tu... Et puis quand t'es dans le rond-point, tu le remets pas. Tu sors pas. Ouais. Il n'y a pas de rond-point aux USA, c'est pour ça. Oui, ouais, voilà. Ils n'ont pas cette problématique là. Mais même avec le volant, tu aurais la même problématique. Ouais, oui, oui. C'est sur le volant, c'est clair.
C'est comme les palettes au volant, quand ça tourne avec le volant aussi, pareil. Vous avez essayé le automatique, c'est impossible de... Bon, mon travail ici, là, mon boulot, je suis censé être dans pas longtemps. Ah oui, je n'y serai pas. T'as dit que t'avais une urgence? Oui, une urgence... familiale. C'est ça. C'est tout est relatif. Franchement, à l'arrière, on est bien. Elle est bien suspendue. Ah ouais, c'est une grosse berline, quoi. Ouais. Enfin, on est pas mal. Bah, elle est bien, tu peux faire des kilomètres. Elle est bien suspendue aussi. C'est important, les défauts de la route. Putain, on a l'équipe en quoi, 21? Ouais, celle-là, ouais, en option, ouais. Putain, 21. Suspension, c'est pneumatique ou celle-là ou pas, non? Si. Si, si, elle est là, oui. Toutes les S, c'est... Là, ça change. Pour le coup, là, tu sens. Un peu de 4 bois. Histoire de voir si elle atteint rapidement les 110, n'est-ce pas? Attends, parce que William, il ne peut même pas caler sa tête. Ouais. Non, et on peut. Moi, je peux. Ça glisse. Ça tient la route, mais ça patine. On a fait une petite accélération. Oh, léger. L'inconvénient sur la troisième, la place du centre là, à l'arrière. Ah, t'as pas d'appui-tête. C'est que l'appui-tête, tu peux pas le lever. Ah ben moi j'ai essayé la plaide là, cette place à la plaide. Il est encore comme ça. Oui, tu peux pas le. Donc ça veut dire que tu peux. J'ai essayé de servir. Bien tenir. Là. C'est vraiment fait pour un enfant parce que là. Et en pêche, l'intérieur est magnifique. Hein. Ouais. Franchement. Ouais, c'est... Ah, elle est belle. J'aime bien le blanc, mais j'aime bien la couleur. Alors, le blanc, c'est trop blanc. Ah, oui. Les bleus aussi. Plus foncé que sur les autres. Ah bah oui, il est quand même... Ouais, c'est passé à la Dacia quand même. Méfie-toi, elle en a peut-être sur magnifique le voiture. Tu veux pas, toi. Quand est-ce qu'on fait la livraison de ta Spring? Mardi matin. Ce sera un petit comité. Ça oh, ça va être violent de passer de la S à la Spring quand même. Ah oui, je vais pas la conduire, je crois. Là. Soixante, soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, cent. Alors là, c'est légère montée en plus, hein, donc. Allez, je me cale. Ah ouais, c'est mouillé quand même. Ouais, c'est mouillé. Y a pas le mode drift là-dessus, c'est bon. Motrices. Ça tient quand même. Hein. Oh, ah, là, ça envoie. Il est à 540. Ouais, je pense. Oui. Bip, bip. Ils sont pas fous non plus. On sortira là-bas, les gueules, on sort. On va faire la course avec le Kangoo. Allez. Ah, mais attends, il a enclenché la 5ème. Après, si on est à 540, on est coincé. Ouais, c'est on a l'air fun, ça. On est comme les bofs. Oh la Kangoo! Allez hop! C'est bien parce qu'elle nettoie le passage en fait, tu vois. Bip, bip. Elle t'a dit pas plus de 180. Allez, bip, ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont là avec leur truc à moteur là? Putain, ils encombrent la route là, on est obligé de ralentir. Le Picasso, oh, le Picasso. Le régulateur, ah oui, c'est le Picasso, le vrai. Le vrai. C'est pas la version Tesla, c'est le vrai. Le régulateur, vous connaissez ou pas? Ouh, il mord un peu là, il mord un peu la ligne là. Ah si, c'est comme ça. Il faut rester un peu sur la molette. Oh, tu te fais doubler par une Clio? C'est quoi ça? Il faut rester appuyé sur la molette. En fait, c'est la molette une fois, le régulateur deux fois, autopilote. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah voilà, c'est autopilote. Ça ne cherche pas trop. Mais ça. On a des crins qui s'allument. C'est cool. Par contre, le coup volant dioc avec l'écran juste derrière. Bon, ça, c'est bien. C'est bien. Ouais. Bien plus ouais, pratique, c'est ça. Par contre, volant rond, mon intérêt, quoi. Après, il va pouvoir passer au-dessus ouais, de la casquette. Ouais, je pense.
Ouais, du coup, ton ressenti là sur le volant? Bon, ça va en fait, mais en ligne droite, ça va. Après, pour les manœuvres, on va passer par les Guevins pour voir un ville là. Ouais. Et pour braquer, je suis sceptique au début, ouais. Je pense qu'on s'habitue après. Ouais, braquer, puis les clignotants, bon, c'est pareil, c'est histoire d'habitude, mais. Ah, mais après, Moi, je pense que c'est un peu abusé d'avoir mis des clignotants. Bah, c'était pour garder le côté totalement épuré et ne plus avoir aucune manette. Ouais, mais bon. Non mais c'est pour pas gêner aussi, hein. Je te rappelle que sur les nouvelles Y, le volant il est détachable, donc s'il y a pas les trucs, c'est mieux quoi. C'est arrivé sur des modèles 3 aussi. Allez, parle pas de malheur. Pas que les Y. Hein. Ouais mais les nouvelles, les nôtres, elles craignent rien. C'est vrai. Du coup, s'il y a pas de manette, c'est où qu'on gère marche arrière Tu vas voir, c'est sur l'écran. Ou à l'écran ou ici là, ça apparaît ici aussi. Quand t'es arrêté, ça s'allume ici. T'as drive neutre. Ouais, directement sur la console. Ouais, mais quand t'es arrêté. Pas quand tu roules. Non, quand tu roules, si tu veux faire une marche arrière, on peut. Non, mais quand tu t'arrêtes et. Mais ça apparaît ici, je pense que ça s'allume. Pour faire après une marche arrière, est-ce que ça s'allume? Tu sais que t'as. Franchement, sans radar, sans truc. Ouais. Je vois pas un mille avec ça en fait. C'est l'image qu'on voit, tiens. Salut les pauvres. Ça te plaît, hein, de chambrer tout le monde. Ça, tu te fais un malin plaisir. Faut s'amuser à chambrer dans la vie. Voilà, Camille, elle rentre dans son siège au fur et à mesure. Ça va? Quand tu parles pas, ça va pas mal. Ouais. Attention, petit chien. Notre ami taxi à un centre de Toulouse avec ça, il va s'amuser. Ouais. Bon, après, est-ce qu'il va beaucoup au centre-ville? Il doit y aller quand même, je pense. Alors, le plus gênant, c'est vraiment qu'il n'y ait pas encore le Tesla Vision et qu'il n'y ait pas de radar, ça. Franchement. Tout serait affiché, c'est bien. C'est bien. Moi, j'aime bien. Enfin, le confort. C'est souple. C'est bien, c'est on va tester une rue plus moins large que la voiture. Une rue moins large que la voiture. On va leur ramener avec deux jolis rayures de chaque côté, tu sais. Oh con. Ah oui, là on va dans les petites rues. Ouais. Ah, il te montre. Ah, mais j'avais pas vu qu'il te les montre. Oui, sur l'écran directement. On va prendre cette rue, pas l'autre. Hein. Oh. Ça prend quoi, ça? Ça va? Oui, ça va, mais bon, c'est spécial quoi. Je suis habitué. Quand on a les trucs, pas. Parce que du coup. Ah, mais il te montre quand même. Ouais, tu vois, ça affiche quand même. Ouais, ça juste, ça bip pas en fait. Ça bip pas, ouais. Il préfère biber quand même, puisqu'il affiche. C'est quand même mesquin. C'est qu'elle le sait. Elle le sait. Après, elle le sait, mais elle le dit pas. Ouais, c'est à une main, il faut tourner en fait. Tu peux pas sinon. C'est aussi fait après. Clino, c'est inutilisable en ville. Ah, ouais, c'est space. Franchement, sur le volant, c'est une mauvaise idée. Ça fait comme le modèle Y. Ouais, c'est vraiment trop. T'as vraiment un grand toit vitré. Une tête de suspension, la donne est sympa. Il y a deux dodanes, c'est deux trottoirs qu'ils ont mis. Ouf. Ah oui. Ah. Mais on sent que. Ouais, elle a amorti pas mal. Ça mérite que ce soit 3. Et là, tu peux le régler, t'as 3 niveaux de suspension, je crois. Ouais, je crois 3 ou 4. C'est un automatique, je pense, mais je sais pas où c'est. Ah, parce que j'ai pris un dodan, mais tu peux enregistrer. D'accord. Ça s'enregistre. Comme sur les S actuels en fait, t'enregistres l'andro, il y a un dodan et automatiquement elle va se lever la voiture, moins 30 à l'heure, elle se lève et puis après elle va redescendre. C'est bien ça. Et sur Michael, c'est comme ça, tu peux enregistrer les endroits où il faut lever la voiture en fait. Excellent. Oui, comme du coup, pour le métro qui se plie aussi, ouais, du coup elle anticipe, juste avant que t'arrives, elle va se... T'as besoin de le faire toi en manuel quoi. Mmh. On va passer par là, moi là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à commenter, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine avec la vidéo de livraison de la Model S de David, et en attendant, portez-vous bien, ciao ciao!